Ma hiérarchie m'a tué. Ne les laissez pas s'en sortir les mains propres. Ils diront que ce sont mes problèmes personnels, mais ce qui m'a fait sombrer, c'est la hiérarchie. L'absence totale de soutien et le plaisir de m'enfoncer encore plus. Parce que je ne compte pas. Ce sont les derniers mots d'Aurélia, jetés sur un bout de papier, avant qu'elle ne se loge une balle de 9 mm dans le crâne. Comment une jeune policière de 25 ans, qui avait la vie devant elle, en est venue à se suicider du jour au lendemain, après avoir rédigé une lettre glaçante. Des hommes et des femmes ont fait le choix de porter l'uniforme jour et nuit pour nous protéger. Le peuple vous apprécie par intermittence, chers policiers. On vous applaudit après les attentats, on vous lance des pavés quelques jours après. Mais malgré les crachats, les insultes, les attaques au couteau, les cocktails Molotov, parfois même les chauffards qui tentent de vous écraser, vous continuez chaque jour de représenter nos couleurs. Nos politiques vous utilisent contre nous et vous tournent le dos quand tout vacille pendant que vous êtes contraint de rester silencieux. Un devoir de réserve si lourd à porter que certains d'entre vous n'ont pas pu appeler à l'aide avant d'en finir. Ou alors, personne n'était là pour vous écouter. Chaque année, il y a environ 45 policiers qui mettent fin à leur jour. Un mal-être qui s'est propagé comme un virus chez les forces de l'ordre. On parle de presque 1500 policiers qui se sont suicidés en 25 ans. Dans cette vidéo, nous allons entendre les témoignages de certains flics qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer habituellement à cause de leur devoir de réserve. Et j'étais censé introduire la présence de Bruno Attal, qui avait accepté de nous livrer son témoignage pour donner un peu plus de crédit à cette vidéo. Mais il n'a pas l'air d'avoir suffisamment de temps pour m'aider. Après, j'ose pas te lancer la pierre, Bruno. On s'est eu deux fois au téléphone et tu es resté très respectueux. Donc je laisse le bénéfice du doute. J'ai même contacté un défenseur des gardiens de la paix, qui fait son caliméro à l'antenne, victime du système, radié de la police, etc., etc., mais qui ignore totalement mes messages privés et mes commentaires sous ses publications. Il se la joue grand défenseur de ses collègues à la télévision, mais en dehors de celle-ci, il n'y a plus personne quand on le contacte. Tu es un défenseur en carton qui fait du bruit quand il s'agit de te mettre en avant et qui reste dans l'ombre quand cela ne t'apporte rien. Si encore tu étais submergé et tu avais 50 000 abonnés, j'aurais compris que mes messages se noient dans la masse. Tu aurais pu au moins me sortir une disquette ou me dire que tu n'avais pas le temps. Enfin, quelque chose dans ce genre-là, quoi. Il faut savoir que je soutiens les forces de l'ordre, car ce sont des patriotes qui ont choisi de vouer leur vie au pays, mais je ne cautionne pas tout. Ils nous protègent de la menace directe dans la rue, du mieux qu'ils peuvent, mais ils permettent aux élites de rester en place. Et ce sont aussi eux qui viendront vous chercher si votre militantisme dépasse le politiquement correct. J'en veux beaucoup à cette institution. Notamment parce que certains policiers protègent les sorties des synagogues, ainsi que les prières de rue, et personne ne protégeait toutes les églises après les attentats antichrétiens. Évidemment, ce n'est pas la faute du fonctionnaire en lui-même, mais de sa hiérarchie. Mais force est de constater que cette institution n'est pas toujours du côté des Français, du moins, qu'elle a des préférences. Comment parler des conditions de travail des policiers sans parler des violences qu'ils subissent? Il s'agit d'une brève piqûre de rappel pour la plupart d'entre vous, mais je ne pouvais pas passer à côté de ça. En France, c'est environ 17 policiers blessés en mission chaque jour, soit un peu plus de 6000 par an. Pour vous donner une idée, c'est presque la moitié de la population de Fontainebleau. Dans ces blessures, on parle du simple nez cassé à des dégâts corporels bien plus graves, qui parfois engendrent de lourds handicaps. Et je vous parle seulement de la police. Je n'ai pas ajouté les 4000 gendarmes blessés en mission. Je vous laisse un petit graphique de l'Observatoire National, chiffré jusqu'en 2018. Chaque année, il y a entre 4 et 16 policiers et gendarmes qui sont tués pendant leur service. Alors certes, on compte les accidents de la route en intervention, mais les anti-flics comptent également les fuyards morts accidentellement durant leur cavale, dans les 17 personnes tuées par les policiers chaque année. Dans cette vidéo, je ne vais pas pousser l'analyse politique de ces chiffres, mais on se rend vite compte que le nombre de victimes entre les forces de l'ordre et les voyous est étroitement similaire. Or, ce n'est pas normal, car la force doit rester à la loi. Les chiffres sont peut-être abstraits pour vous, ça l'était pour moi aussi. Voici donc le témoignage de Thomas, CRS depuis plusieurs années. Je suis basé en région parisienne. Je suis gardien de la paix donc depuis 7 ans, mais comme je te disais, je suis rentré dans la police il y a bientôt une dizaine d'années parce que j'ai commencé en tant que contractuel adjoint de sécurité. Donc je suis arrivé en région parisienne en 2016. Et voilà, donc je suis CRS. J'ai participé aux différents climats sociaux qu'il y a eu en France, à savoir la loi travail, la loi El Khomri et bien évidemment les gilets jaunes. Voilà. Alors concernant la violence dans votre métier, elle est omniprésente, hein, comme tu t'en doutes, que ce soit la violence physique ou la violence psychologique, cette dernière étant souvent oubliée, mais elle n'en est pas moins importante. Et je connais un collègue qui, lors d'une manifestation, a reçu via une espèce d'extincteur lacrymogène artisanal, en fait, a reçu du produit chimique dans les yeux. C'est-à-dire que le manifestant, enfin si on peut encore appeler ça un manifestant, a réussi à glisser son bras sous le bouclier du collègue, en fait, et a vaporisé à l'aide d'un extincteur une espèce de mixture artisanale, en fait. Mais ce collègue a dû être hospitalisé, les pompiers ont effectué des analyses afin de savoir qu'est-ce que c'était, quoi, ce produit chimique.
Et ils n'ont jamais pu déterminer ce que c'était réellement. Ça contenait de la soude, du phosphore. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui était dans un but corrosif et pour nous blesser gravement, quoi. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des gros écrous de garage lancés à l'aide de fronde. Où une fois, il m'est arrivé à moi et à ma compagnie sur une manifestation, des casseurs avaient pris possession de grosses piles de 500 grammes en fait, qu'ils avaient volées dans une roguerie ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils avaient aiguisé les côtés de la pile pour ensuite nous les lancer dessus. Donc c'était tranchant comme des lames de rasoir. J'ai reçu des boules de pétanque, des bombes artisanales, des pétards scotchés à du déodorant, à l'évêque du Chatterton qu'on nous lance au pied, ça fait une explosion. Enfin, voilà. Les exemples manquent pas, mais voilà. C'est vrai que certains sont assez inventifs pour essayer de créer des dispositifs le plus dangereux possible et dans le but de nous blesser le plus gravement possible, quoi. Ça, c'est clair. Je garantis que ça fait tout drôle, quoi. Quand t'as un mortier qui t'explose à hauteur de visage ou dans les pieds, encore une fois, j'ai des collègues qui ont été brûlés au second, troisième degré. La police nationale manque cruellement de moyens, mais pas à tous les niveaux. Il y a une vraie disparité entre les policiers sur le terrain et leurs supérieurs au chaud dans les bureaux. Bruno était censé nous parler des beaux espaces de travail des commissaires, des voitures de fonction flambant neuves destinées aux policiers sur le terrain, récupérées par cette même hiérarchie peu scrupuleuse. Mais comme il n'est pas là, je vais devoir vous parler d'autre chose. Entre 2002 et 2004, le directeur de la police nationale, Michel Godin, a détourné environ 210 000 euros destinés aux enquêtes et à la surveillance pour les mettre directement en liquide dans les poches de ses petits copains. On se doute que les trafics pullulent dans les différentes strates de l'institution si même les plus hauts dirigeants sont dans les magouilles. Comme vous avez pu le voir, dans certains cas, les gradés ne sont pas logés à la même enseigne que les autres. Mais si seulement cela s'arrêtait là. Le deux poids deux mesures est très présent dans cette institution. Après le suicide de la jeune policière, Aurélia, que nous avons évoqué en introduction, le préfet de police a fait interdire la manifestation en son hommage pour des raisons sanitaires. Donc il a refusé qu'une trentaine de personnes se regroupent de manière statique en la mémoire de leurs collègues défuntes. En revanche, il a autorisé les manifestations à la mémoire d'Adama Traoré, qui ont regroupé plus de 20 000 personnes durant la crise sanitaire. Un oukase habituel et totalement incompréhensible de la part de l'ancien préfet Didier Lallement. C'est un véritable crachat en pleine figure de la police nationale. C'est une déclaration presque officielle que la France soutient les violeurs, mais pas ses gardiens de la paix. Aurélia a incriminé sa hiérarchie avant de mettre fin à ses jours, mais ce n'est pas la première fois qu'un agent laisse une lettre similaire, remettant en cause sa propre hiérarchie avant de passer au suicide. C'était aussi le cas de Xavier en 2018, un major de 50 ans qui était en charge de la protection de la ministre du Travail, qui a fait le choix de se suicider devant une gendarmerie en laissant derrière lui le message suivant. « Je vous fais part du malaise des policiers. Depuis 2012, le service n'a cessé de se dégrader, où le côté humain n'est plus pris en compte. Oui, nous ne sommes plus que des matricules, corvéables à merci, ou plutôt à disposition de notre haute hiérarchie qui ne pense qu'à ses privilèges et à se servir en premier. Lors des attentats de Charlie Hebdo, nous avons perdu un VIP. » Et surtout, un collègue qui avait fait remonter des informations sur le risque de plus en plus accru d'attentats. 11 mois plus tard, notre directeur touchait une prime au mérite qui représente 2 ou 3 ans de salaire des fonctionnaires à son service. C'est ça la reconnaissance. Pendant ce temps, les effectifs travaillaient plus. 20 à 30 jours ininterrompus. Je vous laisse seul juge de la situation. Je vous remercie de m'avoir lu et vous présente mes respects. Évidemment, encore une fois, l'enquête a étouffé l'affaire en prétextant que son suicide était davantage la cause de sa vie personnelle que professionnel. L'administration française a su se rendre originale pour emmerder les policiers jusqu'au bout. L'histoire qui va suivre est le témoignage d'un policier qui est entré en contact avec moi suite à mon annonce. Il n'a pas voulu que je vous diffuse sa voix, même modifiée. Alors voici son témoignage. À Vincennes se trouvent plusieurs compagnies d'intervention de la police ainsi que divers services spécialisés regroupés au même endroit. Le parking aux abords des locaux a été donné par la mairie aux Roms. Impossible pour les policiers de garer leur véhicule personnel. Ils ont été contraints d'occuper les rues environnantes. Après l'arrivée d'une nouvelle compagnie dans ses locaux, et donc d'effectifs supplémentaires, les places ont commencé à manquer. Et la mairie de Paris a décrété que celles disponibles deviendraient payantes. Les fonctionnaires étaient contraints de payer leur stationnement ou de se garer où ils pouvaient, au risque d'être verbalisés, ou de retrouver leur véhicule personnel dégradé ou à la fourrière, ce qui est arrivé plus d'une fois. Un beau jour, les Roms ont plié bagages, et ils ont enfin libéré le parking. Et la mairie, au lieu de sécuriser les lieux pour rendre l'espace aux policiers, a préféré rénover l'endroit, installer la fibre, et à laisser les Roms revenir s'installer après leurs vacances. La plupart des policiers que j'ai pu entendre s'accordent sur le fait que les moyens mis à disposition ne sont pas suffisants. Les véhicules ont des centaines de milliers de kilomètres, ils sont usés. Les locaux sont vétustes, suffisamment pour que le concours du commissariat le plus délabré soit apparu sur internet. En tête, nous retrouvons celui de Coulommiers, où le troisième étage menace de s'effondrer, les murs s'effritent, seulement 2 cellules et très peu d'espace.
des conditions de travail qu'on ne pourrait jamais retrouver dans le privé. Un avocat s'est même confié au sujet du commissariat. Il n'y a pas de local pour s'entretenir confidentiellement avec nos clients. Un policier doit arrêter de travailler et sortir de son bureau pour nous laisser la place. Je retrouve régulièrement mes clients dans la petite salle située derrière l'accueil menottée à des meubles. Je ne vais pas parler de la justice française, des délinquants qui ont presque littéralement une carte de fidélité au commissariat du coin, car j'ai déjà fait deux vidéos à ce sujet. Une sur les prisons, une autre sur la justice. Je vous les recommande. La formation de nos forces de l'ordre est un sujet à part entière. Je pourrais broder sur ce thème pendant un moment. Mais je vais tenter d'être le plus efficace possible. En 2008, on comptait environ 500 recrutements dans la police à l'année. De nos jours, c'est 8 fois plus et avec une formation bien plus courte, avec parfois des policiers acceptés, avec des moyennes en dessous de 8. Au lieu d'avoir une année de formation, les nouvelles recrues se contentent seulement de 8 mois d'école avec un complément directement sur le terrain. Mais il n'y a pas suffisamment de personnel compétent pour les encadrer. Sachant que 70% des nouveaux effectifs sont envoyés dans la capitale, on peut se dire que la plupart des policiers parisiens manquent cruellement de formation, mais se baladent armés sur la voie publique sans être correctement encadrés. J'ai même entendu que certaines promotions n'ont pas été formées aux techniques d'interpellation à cause de la crise sanitaire. En plus d'être mal formés et mal encadrés, nos policiers sont très mal équipés, et ils sont contraints d'acquérir du matériel avec leur argent personnel. Des ceinturons, des holsters, etc. Les salaires ont été revalorisés pour attirer un maximum de candidats, sauf que le budget total de la police est resté le même. 90% des dépenses sont consacrées à la rémunération des agents, seulement 10% restent pour les locaux, le matériel, les véhicules, etc. On nous fait croire que des fonds supplémentaires sont injectés, mais en réalité, le budget est identique, mais simplement utilisé différemment. Nos politiques sont les grands spécialistes de l'illusion. Comme Hidalgo, qui voulait d'une police municipale pour apporter un peu plus de sécurité à la capitale. 84 millions d'euros injectés pour environ 500 agents. L'idée peut paraître intéressante, et quand on creuse un peu, on se rend compte de la mascarade. Pour commencer, ils n'ont aucune arme létale ni de pistolet à impulsion électrique. Un simple tonfa et une gazeuse au meilleur des cas. Le strict nécessaire pour coller des PV aux riverains, mais pas suffisamment pour lutter contre les véritables menaces. Je me suis penché sur leur formation et croyez-moi que vous allez rire jaune. Ils sont formés au premier secours. Jusque-là, je trouve ça parfaitement normal. D'ailleurs, j'espère que vous êtes formés, messieurs dames. Les agents reçoivent également une formation contre le harcèlement de rue, contre les violences envers les femmes, mais aussi contre les LGBT-phobies. Et oui, une véritable police idéologique qui se balade dans les dernières Volkswagen électriques dans les rues de notre capitale. Je respecte les policiers municipaux, mais l'organisation de la police municipale parisienne est juste amusante, à l'image de cette nouvelle capitale du Wokistan. C'est le moment dédicace, et je ne vais pas citer tous les personnages publics ou les vidéastes gauchistes qui ont tenu des propos déplacés visant les forces de l'ordre, mais je vais tirer une petite cartouche pour le plaisir d'offrir. Quelle vision. Tu sabres le champagne quand une fliquette se loge une balle dans le crâne, fils. Elle pourrait être ta sœur. Oui, ton poste n'est pas passé inaperçu. En fait, quand t'as plus de 30 ans et que tu lâches des conneries pareilles, c'est que t'es un véritable parasite. Aurélia qui s'est tiré une balle dans la tête, elle aussi était une bâtarde? Les flics qui sont entrés en première ligne dans le Bataclan étaient-ils des bâtards? Ahmed était-il un bâtard avant de se faire couéchiser? Ton raisonnement n'est pas tenable à 30 balais. Aussi peu de nuances, ça ne m'étonne qu'à moitié de la part d'un ancien journaliste. Tu pourras te défendre en disant que tu ne cautionnes pas ça, mais tu affirmes publiquement que les policiers sont tous des bâtards. Tu devrais un peu moins te branler tous les jours et nuancer ton discours. Tous les jours, je me prends. Je tenais aussi à saluer les pseudo-syndicalistes qui défendent la veuve et l'orphelin sur les plateaux télé et les réseaux sociaux, mais qui sont portés disparus quand un projet concret se monte. Pas étonnant que les policiers ne vous font plus confiance. Un grand merci à la porte-parole de Nemesis Suisse pour m'avoir prêté sa voix en introduction. Merci à toi Léa. Foncez vous abonner à ses réseaux sociaux et lui envoyer du soutien pour la suite. Merci aux policiers qui ont accepté de témoigner. Je n'ai pas pu tous vous inclure à la vidéo, mais merci à vous. Pensez également à poser vos questions pour la foire aux questions. J'espère qu'on se reverra très vite. Merci à mes donateurs, merci à vous, cher public. C'était le Kidam. Tous les jours je me drogue. Tous les jours je me prends.